C'est très simple. Nous avons élaboré un fil communicant, un fil textile qui se présente sous cette forme-là et qui remplace en fait les étiquettes RFID qui sont bien connues et déployées dans l'industrie textile, notamment avec de grands acteurs comme Decathlon ou Marks & Spencer en Angleterre. L'idée, c'est d'intégrer ce fil à l'intérieur de vêtements de façon à les transformer en vêtements connectés. De cette façon, vous avez un vêtement qui est un vêtement communicant qui s'intègre totalement dans le monde des objets connectés. Grâce à cela, nous pouvons réaliser des inventaires, nous pouvons assurer la traçabilité à la source de ces vêtements et nous pouvons offrir aux clients des usages étendus comme notamment un encaissement plus rapide, comme notamment aussi un retour de marchandises facilité si un problème se trouve être dans le vêtement. Le fil est intégré au moment de la confection du vêtement. De cette façon, on peut assurer une traçabilité de la confection jusque dans la chaîne logistique, dans les entrepôts et par la suite dans les magasins pour réaliser des inventaires en temps réel. La façon de communiquer, c'est la même que celle qui est utilisée pour les étiquettes. C'est une manière très standard. Les protocoles de communication sont ceux de la RFID UHF. Et grâce à un lecteur qui se présente ici sous la forme d'une raquette, nous pouvons faire un inventaire, comme je peux vous le montrer. Il suffit d'appuyer sur ce bouton pour que l'inventaire apparaisse ici à l'écran. Alors, nous sommes une start-up et à ce titre-là, nous commençons une démarche commerciale cette année. Nous avons été créés en 2013, nous avons levé des fonds en 2014 pour industrialiser le procédé. Aujourd'hui, le procédé est industrialisé. Nous avons un équipement de production capable de produire 5 millions de ces composants par an et nous commençons à les proposer au marché du retail, mais pas seulement, parce que nous pensons que ce fil peut être aussi intégré dans des matières plastiques ou composites qui adressent aussi d'autres marchés que le retail et le vêtement. Ça coûte, celui-ci coûte 20 centimes. 20 centimes? Oui. Si je vous en prends 20 000? Si vous m'en prenez 20 000, c'est toujours 20 centimes. Si vous m'en prenez 20 millions, ça sera plus proche de 10 centimes.